Trick or treat, c'est la phrase que disent les enfants. Salut tout le monde et salut les jeunes qui m'ont demandé plusieurs fois des vidéos de Five Nights at Freddy's VR. Et franchement, je ne vous remercie pas les jeunes parce que ce jeu me terrifie vraiment. Là, je suis dans le menu, regardez, ils sont déjà là à me regarder là. Dès que je bouge, ils ont la tête qui tourne là, regardez, surtout lui là-bas, il me fait peur. Et ça tombe bien pour vous parce que je vais rejouer du coup à Five Nights at Freddy's VR grâce au DLC qui est disponible depuis quelques heures maintenant sur le PlayStation Store au prix de 10,99€. C'est un DLC pour Halloween qui arrive un petit peu en avance et qui inclut plein de nouveaux mini-jeux terrifiants, apparemment, j'ai pas encore testé. On va découvrir ça ensemble et je pense que je vais beaucoup crier. Un petit message aux jeunes à qui j'ai promis soit une dédicace, soit de parler de leur chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. C'est juste que là, vu que c'est un jeu qui fait peur, vous n'êtes peut-être pas censé regarder cette vidéo, donc je ferai ça dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublierai pas. Congratulations! It appears you have been granted access to additional holiday content. Donc le DLC, c'est un DLC Halloween et on y accède directement en appuyant ici. Excellent! Oh là là, il y a un Freddy géant là. Ah, il y a Bonnie là-bas, je crois. Alors c'est marrant parce qu'il y a l'orage chez moi actuellement, ça fait 3 jours qu'il fait un temps de chiottes dehors, qu'il pleut, il y a l'orage et... Donc ça tombe bien. Bon allez, c'est parti. C'est génial, ils ont fait carrément un nouveau hub là. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce DLC? Effrayé du noir, 3 niveaux, apparemment il y en a 2 qui arriveront le 29 octobre, donc juste un petit peu avant Halloween, pour l'instant on a que le premier Plushkin Patch. Ensuite, il y a quoi d'autre? Spooky Mansion. Et ici, on a Danger Keep Out. Avec 3 nuits, apparemment. C'est pas mal. Et en plus, ici, j'imagine qu'on peut basculer en mode hard. Yeah. Que je ne peux pas jouer pour l'instant, puisqu'il faut que je débloque ces niveaux-là en finissant le mode normal. Effrayé du noir. Eh ben allez, on va découvrir ensemble. Qu'est-ce que j'ai en main, là? Ah! J'ai une lampe torche, ok. Ah non, non, ah, ça commence. Comment je fais pour survivre? Je fais quoi? Il y a une chauve-souris qui me fonce dessus. Ah non, la lampe torche s'est éteinte. Oh là là, non, ça va être horrible. Ça va être horrible. Elle s'allume plus. Il faut que ça se recharge. Trick or treat, c'est la phrase que disent les enfants. Ça fait même pas 30 secondes que je joue, je suis déjà mort de peur. Wow, il y a Foxy enflammé là avec une serpe là. Don't look big. Ok. Oh, oh j'avais pas vu. Gigantesque. C'est énorme, l'immersion c'est génial. Don't look behind you. Ok, il faut pas regarder derrière nous. Aïe, aïe. Oh il me fait peur. C'est bon, je suis que dans le menu d'attente là. Laisse-moi tranquille. Allez, on réessaye. Donc il me donne quelques petits indices, donc je dois pas regarder derrière moi. Ah. Ah oui, je l'ai vu là, d'accord. Oh là là. Ah non, non, mais je veux pas regarder derrière. On va recharger. Il y a le réveil ici. Oh là là. Ah, il est là. Ok, dans l'arbre. Ah! Il court! Il court, il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est là! Non, non, c'est une chauve-souris! Ah, ça fait peur! Je peux pas allumer! Ça fait trop peur! Pourquoi je joue à ça? Il y a des bruits partout. Ah, j'ai les mains moites. Ah eh oui, où tuer, bien sûr. Donc il faut pas le perdre, il faut vraiment le trouver à chaque fois pour pas qu'il nous saute dessus. Oh là 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 là. Oh le stress.
de pas savoir quand est-ce qu'il nous saute dessus. C'est vraiment abominable. Donc est-ce qu'il est toujours au même endroit? Il y en a deux, il y en a deux. J'avais pas vu. Est-ce qu'ils vont toujours au même endroit? Est-ce qu'ils vont dans l'arbre? J'entends, en fait il faut écouter. Il faut entendre les pas. Je tremble. Il est là. Je t'ai vu toi. Et l'autre il est où? J'entends courir à droite. Ah ça me fait peur. Ah! Je me prépare à me faire... Il est où? Il est où? Je le vois pas. Ah! J'ai plus de lumière. Non. Ah, il est où? Je sais. Ah, il y a... Non, il court. Là. Ah, c'est Foxy. Ah. Vous savez, on se dit toujours, on peut essayer de pas crier, mais en fait, c'est impossible. C'est impossible de pas crier. C'est tellement, ça nous surprend tellement. C'est des jumpscares super bien réussis, en fait. C'est instantané, on a vraiment pas le temps de... Oh là là... Ok, le but de cette vidéo, c'est pas de tout finir les niveaux, c'est juste de vous présenter les nouveaux modes de jeu. On va aller voir le deuxième, puis le troisième jeu. Donc il y a Spooky Mansion. Ben on va tester tout de suite, c'est parti. Alors dans Hallway Crawl, apparemment on peut se déplacer. On peut marcher, et le but c'est de traverser la chambre. J'ai pas envie, mais allons-y. J'appuie sur la touche, ça avance. J'imagine qu'il faut s'arrêter à certains moments. Je vois juste s'éclairer avec les éclairs. Oh là là, ça me fait peur déjà. J'ai peur qu'il me saute dessus. Ah ! Ah ! C'est quoi ça ? Je fais quoi ? Non ! Je peux passer, je crois. Ah ! Ah ! Alors lui, je l'ai vu un peu arriver. Mais j'ai quand même crié. Allez, on retente. Ouh. J'ai pas de lampe torche, j'ai rien. Et on peut pas se rapprocher, on peut pas aller à gauche, à droite. Ah oui, on le voit là, Foxy. Il y en a un de chaque côté. Mais Foxy, il est encore là. Ah oui, il est juste là. Qu'est-ce que je fais? J'avance pas. Barre-toi. Barre-toi, s'il te plaît. Je vois rien. Il est encore là, je fais comment? Je mets mes mains devant pour me protéger, mais ça sert à rien, je suis en VR. Je fais comment, là? Il faut que je lui fasse un doigt là pour qu'il parte, il sera vexé. Ah, il a reculé. Il a reculé, ok. Donc j'attends que lui soit plus là. Oh, mais non, mais il est revenu. C'est arnaque. J'ai peur de tourner la tête. C'est bon, il a reculé. Non, il est encore là. Il est plus là. J'avance. J'avance! Rentrez! Foxy est en face. Je vais attendre là, je vais attendre voir ce qui se passe. Ouais, il est là. Peut-être qu'il faut pas que je me mette dans la lumière des fenêtres aussi. Peut-être un truc comme ça. Barre-toi! Bon, il est plus, allez, j'avance. Je crois qu'il n'y est plus. J'ai peut-être mal regardé. Ah non! Non! Ah! Tu vois, on le voit arriver de loin, ça fait trop peur. Oh là. Allez, on va regarder le troisième jeu. Danger Keep Out. Alors, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Utiliser la lumière pour scarrer animatronics. Ok, ils ont traduit à moitié. Pour faire peur aux animatronics, survivre jusqu'à 6 heures. Eh ben allez, c'est parti. Ah, ça ressemble à Five Nights at Freddy's 1. Ah, oh, j'ai raccroché, merde.
Je vais pas pouvoir écouter ce qu'il dit. Donc c'est comme... Aïe. C'est comme Fabianite 1. J'ai utilisé quoi là, 10%? Oh, 20% à chaque fois, à chaque flash. Et la porte, je peux pas... Ah oui, y a pas de porte. C'est barricadé. Oh là 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 là. En fait, c'est comme Five Nights 1. Sauf que, en fait, on a que des flashs. On peut pas fermer les portes. On a que des flashs pour leur faire peur. Ça, c'est quoi, en fait? Ah non, non. Quoi, j'ai déjà perdu. Aïe, 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 aïe. C'est qui vient me chercher? C'est lui qui va me sauter dessus, je suis sûr. Faut pas que je fasse ça. Ah non, y'en a un qui arrive là. Oh là là. Ah, il donne des coups dedans. Ça fait peur. Bon. Ah, j'ai pas crié cette fois. Parce que je l'ai vu venir. Donc c'est une version Halloween de Five Nights 1. Et on peut imaginer que les deux autres niveaux, ça sera des versions Halloween de Five Nights 2 et Five Nights 3. Ok, ok. Donc, je veux pas raccrocher. Ah, c'est une blague. Il parle pas, en fait. Ok. Donc, si on regarde, on les voit se déplacer. Alors, c'est pas comme Five Nights, celle-là, on les voit vraiment bouger. C'est un petit peu nouveau, parce que d'habitude, il y a des flashs et on les voit se téléporter. Là, on les voit vraiment bouger. Donc, en gros, j'attends de les voir arriver dans le couloir. Ah! Putain, j'ai déjà gaspillé 20%, j'ai entendu un bruit à gauche. Y'a pas des trucs cachés là? Ah, le bruit là de la lumière. Là, y'a de l'audio only. Et s'il y a Foxy qui court aussi là derrière le rideau, je suis sûr. Ils sont où? Je les vois nulle part. Ah! Ah, il arrive là, à droite. C'est Chica d'Halloween. Il est là. Un flash. Ça a marché? Apparemment, ça a marché. Mais c'est chaud parce que 20% à chaque fois. Ah, mais ça, ça sert à quoi? Ça recharge. Ah non, ça recharge pas. Ah! Ah non, c'est pour abandonner en fait. Ah, il est là. J'ai pas compris. Pourquoi il y a un interrupteur pour se suicider? Bien voilà, je vous ai montré les trois modes de jeu. C'est plutôt sympa. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses parce que du coup, les autres niveaux, on va les débloquer le 29 octobre. On refera du coup une vidéo, hein, parce que j'ai envie de vous montrer la suite, évidemment. Je suis sûr que vous êtes contents, les jeunes, là, quand je joue à Five Nights. J'ai également promis de faire un live sur Five Nights at Freddy's 3 VR. Très bientôt, ça sera après la Paris Games Week, parce que là je vais être très occupé pour l'instant. Donc ce DLC, il est normalement prévu sur PC. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'est pas encore disponible sur PC, il est que sur PlayStation VR, donc je ne sais pas le prix de la version PC, ni quand il va arriver exactement. Mais sur PlayStation VR, il est vendu 10,99€. C'est pour l'instant un petit peu pauvre en contenu parce qu'il manque des niveaux, mais je trouve ça intéressant, il y a quand même un boulot qui a été fait autour de Halloween puisqu'il y a des nouveaux environnements, des nouveaux modes de jeu. Voilà, c'est tout les amis, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce vers le haut qui est très important pour la visibilité de mes vidéos sur YouTube. Vous pouvez également commenter ci-dessous, dites ce que vous pensez de Five Nights at Freddy's VR. Moi, pour moi, c'est un des meilleurs jeux VR de l'année 2019, oui, vraiment, je placerai bien volontiers dans le top 10 des jeux VR de l'année 2019. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne VR Singe Rhétorique. Allez, ciao tout le monde. Veuillez enfiler votre casque de réalité virtuelle. Bienvenue chez VR Singe.